bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Dimanche, on vient de passer une bonne semaine d'entraînement, bien intensive. Donc là, on va essayer de récupérer un petit peu, mais en mouvement. Et on va solliciter votre corps, d'accord? Donc votre gainage, votre capacité à rester bien actif dans des positions. Donc pour ça, on va utiliser 3 exercices, 5 tours. Le premier exercice, ça va être 30 secondes de side plank. Donc 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite, ce sera sur le coude. Pensez à avoir bien les épaules sur la même ligne, la poitrine sortie et le bassin haut. Deuxième mouvement sera 200 mètres de farmer's carry. Prenez une charge dans chaque main, assez lourde, et marchez avec pendant 200 mètres. Challengez-vous un petit peu sur la charge. Ensuite, vous avez un max rep pendant une minute sur les leg lift over. Ça, c'est un mouvement qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer en Metcon. Donc, on va vous faire la démonstration. Enfin, je vais vous faire la démonstration. Ça sollicite beaucoup les fléchisseurs de hanche. Une fois que vous avez fait ces 5 tours-là, prenez le temps de bien récupérer pour attaquer la prochaine semaine le pied à l'étrier, comme on dit. Donc, pour lancer cet entraînement, 8 minutes pour la qualité. Ce n'est pas un MRAP, c'est juste on bouge pendant 8 minutes. 50 mètres de farmer's carry à une main. D'accord. Donc, je fais 50 mètres bras droit, hop, je change, je fais 50 mètres bras gauche. 30 secondes de flutter kick, je me mets en position de holo et je fais des petits battements avec les pieds, jambes tendues. 30 secondes de down dog. Donc là, je maintiens la position de down dog. Et 30 secondes de up dog. Pareil, je maintiens la position. Ceci pendant 8 minutes. Allez, bon dimanche à tous. Je vous fais la démonstration. Et à la semaine prochaine. Bon courage. Bien, leg lift over. Donc vous devez placer un dumbbell ou un objet qui fait environ la même hauteur que le dumbbell. Ça va être un obstacle que vous allez devoir, hop, enjamber, entre guillemets, avec les jambes tendues. Donc, je vais venir m'installer au sol, jambes tendues, placer mes mains environ au niveau des genoux. Donc, plus les mains sont vers l'avant, plus mon buste est penché, plus c'est compliqué. Attention, ne pas avoir le buste penché en arrière, sinon c'est trop facile et l'exercice ne sert à rien. Donc, je me penche légèrement en avant. Hop, et là, je vais venir. Hop. Lever les jambes bien tendues, les cuisses bien actives, d'accord ? À la force des abdos et des fléchisseurs de hanches. Ça, c'est l'option RX. Vous allez avoir une option un petit peu plus simple où vous allez venir juste lever une jambe puis l'autre. Toujours avec le buste légèrement penché en avant. Allez, bon courage, vous allez voir, ça chauffe bien au niveau abdos.